Bienvenue à l'école numérique Mashindano. À présent, nous avons la mathématique problème. En mathématiques problème, nous voulons apprendre les étapes à suivre pour résoudre un problème. Les étapes à suivre. Les étapes à suivre pour résoudre un problème. Les étapes à suivre pour résoudre un problème. Nous avons 4 étapes à suivre pour résoudre un problème. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de résoudre un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut lire l'énoncé pour bien comprendre la situation. Premièrement, il faut lire l'énoncé pour comprendre la situation. Lire l'énoncé pour bien comprendre la situation. La première des choses, pour résoudre un problème, il faut d'abord lire l'énoncé pour bien comprendre la situation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher la question qui est posée et vérifier si elle est bien comprise. Vous cherchez la question qui est posée et vous vérifiez si elle est bien comprise. En deuxième position, il faut chercher la question qui est posée et vérifier si elle est bien comprise. Donc, mes chers amis, avant de résoudre un problème, il faut d'abord lire l'énoncé pour bien comprendre la situation. Deuxièmement, il faut chercher la question qui est posée et vérifier si elle est bien comprise. Troisièmement, il faut chercher les calculs à faire pour répondre à la question. Vous cherchez les calculs à faire pour répondre à la question. Troisièmement, chercher. Les calculs à faire pour répondre à la question. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, vous vérifiez si la réponse répond bien à la question et si cette réponse a du sens. Vous vérifiez si la réponse répond bien à la question
et si cette réponse a du sens. Vous vérifiez, vérifiez, vérifiez si la réponse, si la réponse répond bien, répond bien à la question, et si cette réponse a du sens, Bien, mes chers amis, nous venons de voir qu'avant de résoudre un problème, il y a les étapes à suivre. Alors, dans la vie, il y a plusieurs problèmes. Ne vous précipitez pas à résoudre les problèmes sans suivre ces étapes. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.